Bonjour, bienvenue sur Je suis née trois fois, c'est une brève. Parce qu'en fait, Dolores a parlé en dehors du champ de la caméra, je la remets dans le champ de caméra parce que c'était vraiment précieux. Nous sommes avec Dolores Solimieux qui était en train de nous expliquer le potentaire et le potentiel. C'est ça, d'une certaine façon. Tu peux nous en dire plus? Oui, c'est-à-dire, voilà, pour beaucoup, l'aide que nous pouvons obtenir, c'est comme si elle ne venait que du ciel. Mmh. Non, nous savons les deux pieds sur terre. Donc oui, j'ai utilisé ce mot-là, puisque Michel a parlé de potentiel. Voilà. Et donc de potentaire, c'est-à-dire, voilà, nous sommes l'union et la création de ces deux vibrations-là. Nous sommes l'enfant de nos parents. Mmh. Il ne faut pas se mélanger non plus. Hein. Nous sommes l'enfant de nos parents. Mais en même temps, nous sommes aussi une particule de vie de la vie. Donc, nous sommes l'union de cette création, de ces deux vibrations, de la Terre. Mais c'est pas du ciel, c'est de l'univers. Et aucune des deux n'est à sous-estimer. Non, parce que nous sommes le lien entre les deux. Et nous devons rester le lien, puisque c'est là où nous entrons dans un autre espace de création. Ces deux pôles doivent être équilibrés. Et c'est nous qui faisons l'équilibre. Donc la façon dont nous réceptionnons, dont ces deux vibrations s'activent en nous, ça crée un résultat. Oui, mais oui, nous devons aimer la vie sur Terre. Notre vie... Tu peux le redire, nous devons... Apprendre. C'est pas une obligation, mais ça s'apprend, mais... Ok, mais nous devons apprendre à aimer notre vie sur Terre, quel qu'en soit son contenu, parce qu'il vous reste plein de vie devant vous, à se déployer autrement, différemment, et qui vous donne l'opportunité de pouvoir être vous-même. Mais par contre, ça demande à aimer sa vie, la vie sur Terre. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont adhérer à la vie à travers le regard des autres. Mais vous n'avez pas eu le temps de faire le vôtre. Vous voyez, c'est un peu, je vais prendre cet exemple tout simple, mais vous allez pour vous acheter tel plat, et vous entendez quelqu'un qui va dire « Ah, mais ça, c'est pas bon !» Inconsciemment, ça aura quand même une trace, ça aura une connotation. Vous n'allez pas goûter ce plat de votre plein potentiel. Il y aura quand même cette trame en arrière-plan où quand vous allez le goûter, vous allez aller comparer inconsciemment avec ce que vous avez entendu. Et ça, ça va colorer ce plat. Et tandis que là, c'est pareil. Vous, sans vous en rendre compte, hein, mais c'est, vous allez entendre ça sur les gens, sur le monde, il est comme ceci, il est comme cela. Remettez-vous en lien avec vous. Est-ce que vous, vous n'êtes pas sympathique? Non. Vous pouvez peut-être avoir des cris, voilà, des colères. Mais c'est pas tout le temps. Donc, pourquoi faire une généralité sur des gens pas sympathiques, sur les gens, sur redécouvrez votre entourage, redécouvrez-vous avec votre entourage. C'est là où, justement, cette articulation entre ces deux vibrations viennent rejoint notre espace-cœur et se déploie en nous. Mais c'est pas pour aimer, c'est pour apprendre à ne plus désaimer. Ouais. L'espace-cœur, là aussi, il y a une confusion, c'est comme s'il fallait mettre un peu des paillettes, du cœur, etc. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Hein? Non, c'est apprendre à désaimer de moins en moins et à vraiment, du coup, remettre en place autre chose. Mais cette jonction-là, donc dans cette vibration cosmique et dans cette vibration tellurique, mais chez nous, nous sommes un arc-en-ciel. Non, non, c'est réel. Vous le savez, les clés, elles ont cette vibration-là. Mais ça déclenche en nous notre résonance, notre rayonnance, qui prend notre tonalité de couleur. Et c'est là où, quand nous l'exprimons, ça prend toute sa saveur, toute sa couleur, toute sa... Et c'est propre à chacun. Si vous vous demandez comment réactiver tout ça, eh ben c'est dans la prochaine vidéo.
avec Dolores Solémieux. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Je suis née trois fois. À très bientôt, Dolores. Merci beaucoup, Soraya. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci pour votre accueil.